Franck Tillier, bonjour, bienvenue à La Galerne. Bonjour. Nous vous recevons pour Gattaca, le deuxième volet d'un diptyque autour de l'origine de la violence, paru chez Fleuve Noir. Alors, vous avez une formation au départ scientifique qui vous fait dire que vous avez un devoir de vérité. Je crois qu'il est important pour vous, à travers tous vos thrillers, y compris celui-ci, d'apprendre des choses au lecteur. Oui, c'est vrai, ce sont des romans qui sont avant tout des thrillers et des romans policiers, c'est-à-dire que le but premier, c'est vraiment d'apporter du suspense au lecteur, de l'envie de continuer à lire. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce genre d'ouvrage, c'est qu'on apprend beaucoup de choses en les lisant. On ressent enrichi, on a appris des choses et on a envie parfois de creuser, de comprendre, d'aller plus loin que ce que raconte le livre. Et c'est vrai que moi, j'ai une formation scientifique. Donc, ce que j'essaye de faire vraiment dans mes ouvrages, c'est d'apporter un domaine de connaissance. Alors, dans le diptyque sur la violence, je parle pas mal d'ADN, de génétique, d'évolution. Dans d'autres romans, j'ai parlé de la mémoire, la psychologie. Ce sont vraiment des thèmes qui m'intéressent. Tout ce qui touche au fonctionnement de l'être humain, ça me passionne. Et voilà, j'essaye de les retransmettre dans mes romans. Alors, on s'aperçoit également qu'il y a effectivement l'évolution des espèces, et vous y revenez grandement dans cet ouvrage. Oui, le défi que j'essaie de relever dans Gattaca, c'est comment intégrer tout ce qui touche à l'évolution, à la compréhension des maladies, par exemple, comment elles évoluent, comment elles naissent, comment elles disparaissent, des grandes questions sur la vie, comment réussir à les intégrer dans un thriller. Alors je me suis donné un peu ce défi, et voilà, je suis assez heureux d'avoir réussi à mêler un peu les deux, c'est-à-dire mêler de l'enquête policière avant tout, mais de parler de l'existence de pourquoi les gauchers existent, par exemple, de donner des explications, de parler des hommes de Cro-Magnon, voilà, ça m'a beaucoup intéressé. Sachant que le thème, c'est quand même la violence, le thème du roman, et essayer de donner une explication sur la manière dont la violence a pu être utile à l'évolution à un moment donné, et la manière dont elle se propage, comment elle a pu se transmettre, est-ce que la violence se transmet, est-ce que c'est l'inné, à qui, c'est toujours ces fameuses questions sur lesquelles je me suis penché. Alors j'imagine qu'il y a de nombreuses sources de documentation, de revues, des documents. Oui, alors c'est vrai que surtout pour Gattaca, c'est l'un des romans qui en a demandé le plus de documentation. Énormément de lectures au début sur tout ce qui est ce qu'on appelle la biologie évolutive, c'est-à-dire comprendre l'évolution des espèces, sur la génétique, alors la paléogénétique, c'est-à-dire l'étude des momies, l'ADN des momies, l'histoire aussi de manière plus générale. Donc il y a vraiment beaucoup de recherches. Ça commence toujours par des lectures très nombreuses. Et après, pour aller plus loin encore, je me mets en contact avec des spécialistes. Là, il y a un biologiste qui m'a beaucoup aidé sur le roman pour apporter vraiment des explications pointues sur des domaines qu'on ne trouve pas forcément dans les livres. Donc c'est un peu un mélange de toutes ces rencontres, c'est un peu un travail de journaliste, on va dire, qui me permet de constituer un socle de connaissances que j'essaye de retranscrire après dans mes histoires. Alors dans le syndrome E et dans Gattaca, dans ce diptyque en fait, c'est aussi la réunion de vos deux héros enquêteurs réunis pour la première fois et que vous malmenez. Oui, c'est un peu leur griffe, on va dire, leur particularité. C'est deux personnages que j'avais déjà créés dans des romans séparés, c'est-à-dire qu'il y a Lucienne Bell d'un côté qui évoluait vraiment dans deux romans. Et Franck Charcot qui évoluait dans deux autres séries de romans, et ces personnages n'avaient rien à voir, n'étaient pas destinés à se rencontrer. Et pour le syndrome E, donc le roman précédent, j'ai eu l'idée de les réunir dans une enquête. Et dans Gattaca, voilà, ils sont ensemble. Alors c'est vrai que ce sont des personnages au passé très très lourd. Ça, c'est les lecteurs, enfin les gens qui les connaissent, voilà, le savent. Et pour les nouveaux lecteurs, ils vont se rendre compte effectivement qu'ils ont traversé beaucoup d'épreuves. Et c'est dans l'épreuve où moi je réussis à le mieux m'exprimer. C'est-à-dire qu'il faut que les personnages aient des problèmes, des difficultés. Et là, tout de suite, j'ai de la matière. J'aime pas quand les choses se passent trop bien. Voilà. Enfin, pour terminer cet entretien, Franck Tillier, eh bien, vous avez, j'imagine, des lectures, vous avez, j'imagine, des auteurs qui vous entourent, que vous lisez. Est-ce qu'on peut, puisque nous sommes dans une librairie, savoir lesquels ? Oui, alors moi, très égoïstement, je reste un peu dans ce genre-là, dans le genre policier et thriller. Donc, je lis pas mal d'auteurs français, voilà, parce que je trouve qu'il y a une bonne plume en France.
J'aime beaucoup Granger, j'aime Maxime Chattam, j'aime Laurence Calaise, j'aime Bernard Werber aussi, qui écrit dans un domaine un peu différent, mais qui, voilà, ce sont des auteurs qui nous font voyager, en fait. On a tous le point commun de raconter des histoires à nos lecteurs, de les faire voyager. Et voilà, après, je dis aussi, évidemment, de la littérature étrangère, hein, c'est Connelly, Denis Lehan, que j'aime beaucoup, voilà, donc de la littérature américaine, quelques polars nordiques aussi, un peu, ceux qui sont un peu plus rythmés, parce que moi j'aime beaucoup quand il y a du rythme. Voilà, donc j'essaye de vraiment de découvrir les différents univers, parce que le polar est justement un genre très très riche. On ne peut pas tout lire, et voilà, moi je butine un peu à droite à gauche dans cette littérature. Merci beaucoup. Merci.